Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est un privilège et une faveur que tu nous accordes en cette nouvelle journée de pouvoir écouter ta parole. Merci pour ce merveilleux moment d'encouragement. Que l'honneur et la gloire, la majesté à toi seul soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons la parole aujourd'hui dans le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse chapitre 32, nous lirons du verset 24 jusqu'au verset 32. Je suis dans l'édition de Louis II. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller. » Que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au talon. Que toute la gloire soit rendue à Dieu seul au nom de Jésus-Christ. Voilà un texte connu par certains qui m'écoutent en ce moment. Aujourd'hui, Dieu nous le propose afin de nous encourager, nous exhorter à la persévérance, à l'endurance dans les différentes luttes et batailles qui se présentent à nous. Car oui, vivant sur cette terre, sachant que nous serons amenés à livrer des combats, tant sur le domaine physique que spirituel. Bien-aimés, sachant que les épreuves ne manquent pas et ne manqueront jamais. Et quand cela arrive, nous avons deux possibilités devant nous. Soit nous nous battons fermement et sans relâche, ne comptant que sur la grâce de Dieu qui nous fortifie et nous maintient debout et nous remportons la victoire dans l'épreuve, ou alors nous abandonnons, déclarant forfait et donnant la victoire à l'adversaire. Qu'à cela ne tienne, au travers de l'édition de ce jour, je viens t'encourager, toi qui es plus que vainqueur en Christ, toi qui es enfant de Dieu, à ne pas lâcher. Ésaïe chapitre 26 verset 3 nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en lui. Aujourd'hui, nous évoluons dans une société où la patience n'a plus sa place. Le courage de supporter les situations se fait de plus en plus rare. C'est une société où on veut tout de suite et sans perte de temps. Et malheureusement, cela s'applique aussi dans le domaine spirituel. Bon nombre de croyants n'ont plus en eux cette vertu qu'est la patience devant Dieu. Et quand je parle de patience, je fais également référence à la persévérance, cette obstination, l'endurance. De nos jours, plusieurs croyants, à peine l'épreuve arrive, ils se mettent à murmurer et à douter. Spirituellement se lassent vite, mettent de côté les promesses de Dieu et cherchent à se débrouiller d'eux-mêmes, ne comptant que sur leur propre voix et leur propre force. Aujourd'hui, certains enfants de Dieu, même parmi ceux qui m'écoutent, abandonnent trop vite et à la moindre occasion à cause de l'impatience. Bien-aimé, si c'est ton cas à toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire fais attention à l'impatience, car celui qui est impatient doute, s'agace, s'énerve et est de plus en plus rempli de frustration. Bien aimé, ce genre d'attitude, malheureusement, font passer à côté des bénédictions de Dieu. Il y a des choses qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons obtenir rapidement et facilement, mais il y a également d'autres choses où nous devons vraiment faire preuve de patience, de persévérance devant Dieu. Et je rappelle que la patience est un des attributs de Dieu notre Père. L'Éternel que nous servons est le Dieu de la persévérance et de la consolation,
tel qu'il est écrit en Romains chapitre 15, verset 5. La patience fait partie du fruit de l'esprit qui se trouve dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc, en étant des fils et des filles de l'Éternel, nous aussi, nous devons porter les attributs, les caractéristiques de Dieu notre Père et user de persévérance lorsque nous sommes fatigués, affligés par les situations pénibles de cette vie sur terre. Bien-aimés, nous devons faire preuve de patience. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes en ce jour, nourris-toi constamment de la parole de Dieu afin de rester focalisé, concentré, non sur les circonstances qui t'entourent, mais sur les promesses que Dieu te donne dans sa parole. Et qu'importe l'épreuve qui se présente à toi, bats-toi de toutes tes forces jusqu'à l'obtention de la victoire. Si l'adversaire qui est le diable frappe des coups durs, alors toi aussi redouble d'efforts et de courage, sachant que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde et que tu es déjà en train de combattre du côté de la victoire, car sur la croix, sur le mont de Golgotha, le Christ a tout accompli. Si Dieu t'a fait une promesse, qu'importe le temps que dure l'épreuve, il te fortifiera durant le combat, il te maintiendra debout et accomplira ce qu'il t'a promis. Romains chapitre 5, versets 3 à 4 dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Bien-aimé, l'espérance forge la victoire dans l'épreuve. Il n'existe pas sur cette terre une personne qui vit sans combat. À plus forte raison quand on est enfant de Dieu. Les épreuves telles que nous les vivons, nous les voyons, ne sont pas toujours mauvaises. Mais au travers d'elles, nous nous sommes enseignés, nous grandissons, nous comprenons de plus en plus la parole de Dieu et nous apprenons à connaître Dieu. Pour plusieurs, dont moi en particulier, bien-aimé, c'est dans les épreuves, c'est dans les injustices, les coups durs de cette vie que j'ai appris à connaître qui est réellement le Dieu que je sers aujourd'hui. J'ai appris à lâcher prise, à m'abandonner entre ses mains, à me remettre à lui totalement. Comme dans la souffrance, la peine, je l'ai cherché avec beaucoup plus de sérieux, faisant preuve de patience et de foi en ses promesses. Bien-aimés, au travers de l'édition d'aujourd'hui, nous parlerons de Jacob. Jacob, cet homme devenu Israël. Il s'agit d'un homme téméraire, dont la persévérance a produit la victoire et a entraîné la bénédiction de Dieu sur sa vie ainsi que sur sa génération. Je viens dire à un enfant de Dieu qui m'écoute aujourd'hui, bien-aimé, je suis loin de savoir quelles sont tes luttes en ce moment, ni depuis combien de temps elles durent, mais comme Jacob, sois persévérant et tenace. L'Hébreux chapitre 10, 36 dit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Dieu, dans sa parole, nous a fait plusieurs promesses. Face à chaque challenge et difficulté rencontrée dans ce monde pervers et corrompu, tel que l'appelle le Philippiens 2, verset 15, Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, nous donne la solution au travers de plusieurs versets bibliques. Et c'est à nous, en tant que ses enfants, de nous les approprier, de les croire et de rentrer en pleine possession de ce que Dieu nous a déjà réservé dans sa parole. Et nous y entrons au travers des combats spirituels. La prière, la méditation de la parole de Dieu et une intelligence renouvelée et alignée sur les promesses de Dieu, une vie de sanctification, une telle conduite nous confère la victoire au quotidien. Bien-aimé, je le redis encore par expérience, que la vie sur cette terre en général n'est pas facile. Et encore plus quand on est enfant de Dieu. Souvenons-nous toujours de ce 2 Timothée 3:12 qui dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. On se retrouve parfois à mener différents types de batailles et cela sur différents fronts à cause de notre appartenance à Dieu, à cause de l'amour
que nous portons à Dieu et à sa parole. Mais le Christ a dit en Jean 16, verset 33, « Gardez la paix. » Gardez la paix en lui, de prendre courage au milieu de toutes les tribulations, car Christ a vaincu le monde. Notre texte d'aujourd'hui commence par une phrase importante. Jacob demeura seul. La solitude dans l'épreuve, la solitude dans les batailles. Bien aimé, avant d'aller plus loin, j'aimerais de manière générale définir ce qu'est la solitude. La solitude, c'est le fait de rester seul, de se retirer ou encore d'être isolé. Même si on sait tous, de manière générale, qu'être accompagné ou être en groupe, être entouré des uns et des autres est une bonne chose. Ça fait du bien. Ça produit une certaine joie et sécurité. On a moins peur. On se sent beaucoup plus confiant et rassuré en la présence des autres. On sait également, parce que la parole de Dieu nous l'enseigne, que chaque chose a son temps. Il arrive dans la vie d'un individu et particulièrement d'un enfant de Dieu des moments où rester seul, au calme, ne fait pas de mal. Je veux dire que la solitude pour un enfant de Dieu n'est pas quelque chose d'étrange ou de mauvais ou alors d'inhabituel, bien au contraire. N'oublions pas que la marche avec Dieu est d'abord quelque chose de personnel. Et il y a des choses que Dieu peut certes nous donner dans les moments de prière collectif où nous sommes ensemble avec la maisonnée, mais il y a également des choses que Dieu veut et peut nous donner quand nous sommes en aparté, où il est important qu'on soit retiré seul, en tête à tête avec lui. Bien aimé, il y a des batailles que nous serons amenés à livrer seuls, même pas avec les frères en crise de la maisonnée ou encore avec nos familles, nos conjoints et autres, mais où nous devons avoir la maturité spirituelle et physique pour bien gérer les choses calmement en s'appuyant uniquement sur Dieu et sa parole et surtout sans en vouloir aux autres. Car parfois, lorsque la vie nous remplit d'épreuves, on développe des sentiments d'aigreur, voire même de colère par rapport aux autres qui n'ont pourtant aucune part à nos souffrances. Bien aimé, personnellement, je sais que les personnes qui sont assez spirituelles affectionnent particulièrement les moments de solitude, car ce sont des moments où elles se retrouvent seules à seules avec Dieu. Et nous avons l'exemple en Christ qui, même s'il était suivi par les foules durant la journée, il ressentait toujours le besoin à un certain moment de s'éloigner, de se retirer, de se mettre à part pour prier et parler seul à seul avec Dieu. Ce sont des moments où on se ressource et où on a la possibilité également d'écouter les directives que Dieu nous donne. Donc à toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne crains pas de te retrouver parfois seul, d'être isolé des autres. Que cela ne te fasse ni peur, ni murmurer, bien au contraire. Affectionne ces moments de calme et abandonne-toi entre les mains de Dieu. Déverse si besoin tout ton cœur. Laisse-le te décharger de tous tes fardeaux. Te souvenant de Matthieu chapitre 11, du verset 28 à 30 qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Bien-aimé, comme nous le verrons avec Jacob, dans la solitude, beaucoup de choses se passent. Dans la solitude, on rencontre Dieu. Dans la solitude, Dieu se révèle puissamment à nous et nous amène à un autre niveau, parfois un niveau encore plus haut de connaissance et d'expérience. Dans la solitude, parfois, on se trouve à mener certains types de batailles, tant sur le plan spirituel que physique, et cela de nuit comme de jour, ce qui nous confère une certaine maturité, force et assurance pour l'avenir. Cela fait aussi partie de la marche avec Dieu. En ce qui concerne Jacob, avant que cette lutte ne commence avec cet homme, il fut seul. La parole nous dit qu'il renvoya sa famille de l'autre côté du ruisseau nommé Jabbok. Et c'est donc seul que Jacob affronta un homme. Un homme, le livre d'Osée, chapitre 12, versets 3 à 4, dit « Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Jacob pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. » Bien aimé,
Bien-aimés, la parole de Dieu nous enseigne que c'est dans ce moment de solitude que Jacob fit la rencontre avec l'ange de l'Éternel, avec qui il s'affronta physiquement dans une lutte jusqu'au lever de l'aurore. Jacob était un homme déterminé et persévérant, quelqu'un qui savait ce qu'il voulait dans la vie et qu'importe qui il avait en face de lui ne renonçait pas. Et dans le cadre de cette lutte, nous voyons qu'il donna même du fil à retordre à son adversaire, sûrement tout aussi fort physiquement que lui, voire même plus, puisqu'il s'agissait de l'ange de l'Éternel. Jacob l'affronta non pas durant une minute ou 30 minutes. L'homme lui proposa même à un certain moment de le lâcher en disant « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Mais Jacob répondit « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. » Mais Jacob luttait et voulait absolument sa bénédiction et n'en fit rien jusqu'au lever de l'aurore, c'est-à-dire quasiment jusqu'au moment où le soleil se lève, car il savait en lui que cet homme avait la capacité de le bénir. Et tant qu'il n'avait pas obtenu sa bénédiction, bien aimé, il n'était pas disposé à le lâcher. Jacob était un homme courageux et tenace. Pour avoir pu se mesurer seul avec un tel homme durant la nuit sans avoir peur, malgré le gabarit, la force de son adversaire, Jacob, je le redis, ne lâcha rien, ni après une heure, ni après deux heures. Il ne se fatigua pas, bien au contraire, et jusqu'à la fin de cette lutte, cet homme ne put le maîtriser. Bien aimé, c'est tout simplement extraordinaire. J'aimerais te poser la question à toi qui m'écoutes en ce moment. Est-ce que tu es quelqu'un de ferme devant Dieu? Est-ce que tu es persévérant et déterminé? Sache, cher enfant de Dieu, que la prière est un combat. Les réalités spirituelles sont bien plus réelles que celles physiques. Et dans ce combat rude qu'est parfois l'intercession, il faut de la patience, de la persévérance. Il faut lutter jusqu'à obtenir la victoire. Car parfois les esprits diaboliques sont très têtus et aussi tenaces. Et dans le combat qui peut être de longue haleine, bien aimé, cela peut durer des semaines, des mois, voire même des années. Et une fois que la bataille est engagée, il ne faut absolument pas renoncer. Il faut continuer à tout prix à lutter en faisant confiance instant après instant à Dieu, gardant toujours les regards fixés sur lui et sur ses promesses. Car certaines victoires ne s'obtiennent qu'après avoir mené de longues luttes. Mais en disant cela, je nous rassure à nouveau qu'étant en Christ, nous sommes déjà du côté de la victoire. Jérémie 1 verset 19 dit « Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car Dieu est avec nous pour nous délivrer. » Jacob fut confronté à une bataille particulière. Il lutta de la nuit jusqu'à l'aurore. Le verset 25, nous l'avons lu, dit « Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. » Durant la bataille, bien aimé, il peut arriver qu'on se prenne des coups violents, constituant comme ça de véritables blessures qui font très mal. Dans le cas de Jacob, son adversaire lui déboîta la hanche. Dans la persévérance dont tu fais preuve durant ce combat que tu mènes actuellement, Dieu t'enseignera davantage et laissera quelque chose dans ta vie. Il laissera des marques indélébiles de cette rencontre avec lui. Bien aimé, je viens te dire que la visitation de Dieu dans la vie d'un individu laisse toujours un signe, quelque chose de profond qui le marque à vie. C'est ce qu'on appelle le toucher de Dieu, qui vient comme ça modifier quelque chose en toi, modifier quelque chose à tout jamais dans ta marche. Comme tu t'abandonnes, comme tu es tenace et persévérant devant sa face, la visitation de Dieu dans la solitude, dans la nuit dans laquelle tu te trouves, te donnera une autre nature que celle que tu avais avant. Saul de Tarse l'expérimenta et devint Paul et a dit après avoir rencontré le Christ, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2 verset 20. Bien aimé, je viens encore redire à nouveau et cette fois-ci par expérience. Si tu as réellement rencontré Dieu dans ta vie et reçu son toucher, alors un changement tangible s'opère en toi et cela se voit dans ta marche, dans ton caractère, dans ton langage, dans tes actions.
Bien-aimé, on reconnaît l'arbre à son fruit. Au travers de cette formidable expérience qu'eut Jacob cette nuit-là, Dieu modifia sa manière de marcher, de se déplacer. Désormais, Jacob boitait de la hanche, et cela pour tout le restant de sa vie en souvenir de cette fameuse lutte. Car oui, durant ce combat rude, certes physiquement Jacob fut touché, blessé, affecté, mais spirituellement, bien-aimé, son attitude déterminée, focalisée et persévérante, endurante, lui permit de remporter la victoire et de s'en sortir vainqueur. Nous savons qu'aucun être humain n'est physiquement plus fort qu'un ange, mais c'est la détermination de Jacob, sa persévérance qui lui permit d'obtenir la bénédiction. Bien-aimé, je te repose encore la question. Comment es-tu spirituellement? Es-tu patient? Es-tu persévérant ou alors impatient? Ou alors tu es quelqu'un qui te résigne facilement, qui t'énerve, lâche tout à la première occasion. Dieu aime les personnes déterminées qui savent ce qu'elles veulent, qui savent qu'on ne plaisante pas avec le domaine spirituel, des personnes qui le respectent, le craignent et qui respectent sa parole, des personnes qui savent que la bénédiction qui descend du trône de l'Éternel est importante et primordiale pour vivre heureux sur cette terre. Dieu aime les personnes qui sont prêtes à lutter dans la prière de nuit comme de jour. Des personnes qui persévèrent jusqu'à la victoire, même en étant blessées, même en étant diminuées physiquement, moralement, psychologiquement. Des personnes qui ne lâchent rien, mais continuent d'espérer contre vents et marées, même devant les mauvais traitements, même devant les mauvais diagnostics. Jacob a dit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Aujourd'hui, élève la voix. Et dans ce combat que tu es en train de mener, dans cette situation, dans cette épreuve, déclare Seigneur, je ne te laisserai pas. Je demeure ferme devant ta face dans cette attitude de prière. Je persévère et j'espère en ta bonté. Même si cette prophétie tarde, je l'attends. Elle finira par s'accomplir, tel que le dit Habacuc chapitre 2 verset 3. Je demeure ferme jusqu'à l'obtention de mon miracle, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux chapitre 10 verset 23. Quel est ton nom? Jacob répondit, Jacob, pour notre gouverne. Le prénom Jacob signifie talonné. Jacob était un voleur, un usurpateur, dont le prénom décrivait exactement qui il était. Il révélait sa tromperie, lui le saisisseur de talons. Face à la question de l'ange de l'Éternel, Jacob ne chercha point à se dissimuler, à mentir, mais il fit preuve d'humilité et répondit avec honnêteté, ne pouvant cacher qui il était réellement. Bien-aimé, quand tu te présentes devant Dieu, n'essaie pas de couvrir ton péché. N'essaie pas de cacher tes transgressions ou de masquer ton infidélité. Le proverbe 28 verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Jacob reconnut être un tricheur, un supplanteur, quelqu'un qui évince les autres. Bien-aimé, personne d'entre nous devant Dieu ne mérite la grâce, la bénédiction. Tout ce que nous obtenons de l'Éternel, ce n'est que par grâce. Et nous devons le reconnaître et l'admettre. L'humilité précède la gloire. Quand tu te présentes devant Dieu, ne te camoufle pas. N'essaie pas d'atténuer, de mentir, ça ne sert à rien. L'attitude devant Dieu est très importante. Parce que l'humilité précède la gloire, voilà l'histoire d'un homme qui, grâce à son attitude non seulement persévérante mais humble, passa de voleur à prince de Dieu, de Jacob à Israël. La rencontre avec Dieu a la capacité d'effacer ton passé, de te faire passer d'un zéro à un plus que vainqueur. Dieu ne veut pas que son peuple soit passif, mais il veut que son peuple le cherche sérieusement. Matthieu chapitre 5 verset 6 dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Est-ce que tu as faim et soif de la justice, bien-aimé? Est-ce que tu recherches ardemment Dieu et son royaume qui consiste en la justice, la vérité, la droiture? Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Et il le bénit là, Jacob appela
ce lieu du nom de Péniel qui signifie la face de Dieu. Bien-aimé, dans le combat spirituel que tu mènes actuellement, où tu te retrouves seul à seul avec Dieu, ne cherche pas seulement auprès de Dieu une quelconque bénédiction physique, mais recherche avant tout une transformation interne. Ce quelque chose qui impactera ta marche, ta conduite en tant qu'enfant de Dieu. Car si après avoir été béni, visité par Dieu durant les moments d'épreuve, en toi rien ne change, mais qu'au contraire tu demeures le même, ou pire encore, si après avoir obtenu ta bénédiction, ta guérison, ton miracle, tu retournes à tes vomissures et à fonctionner tel que tu le faisais avant, si tu retournes à être même pire que ce que tu étais avant, alors ta condition est terrible. Bien-aimé, quand on a le désir ardent, Dieu a le pouvoir d'opérer en nous une totale transformation. De cette lutte, de ce toucher, Jacob comprit que désormais il ne devait plus marcher en comptant sur ses propres forces, mais qu'il devait se confier uniquement en Dieu seul. Il comprit que désormais sa vie et son bien-être ne dépendaient plus de tous ces stratagèmes dont il avait usé durant toute sa vie, mais dépendaient de l'aide et de la bénédiction de Dieu. Et dans la vie de tout enfant de Dieu, la victoire et la bénédiction arrivent de la même manière. Même si nous ne luttons pas physiquement avec un ange, nous devons le faire avec sérieux dans la prière, et cela avec beaucoup de persévérance, en menant constamment des vies que Dieu agrée et qui le glorifie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.